canon ici, ça n'a pas de sens. Ah, c'est l'enfer. Regarde, là. Il m'a appelé Jean-Luc. Là. Ouais, mais il travaillait pas. Ouais, mais regarde, ça sera pas bien long. Je tiens pour le tenir au courant. Pour moi, le plus important, la chose. Bonjour Jean-Luc! Ouais, salut! Salut, c'est Phil! Salut! On trouvait de quoi de pas mal salé d'un matin, là? Ah, ouais, c'est vrai? Ouais! C'est un champ de à peu près 2000 canards, là! Ah, pour vrai? Ouais! Ouais! T'as pas pensé chasser chez Michel? Ouais, on est allé voir un matin, on a parlé avec pas mal, ça fait 3 jours que les oies rentrent dans son bledin, là! Quand on était 2 heures là, puis pendant 2 heures, il en a rentré. Il en rentre encore quand on est parti. Il doit avoir un 10 000 ouais à peu près. Mais, ouais. Mais là, il annonce un gros vent de nord. On a peur un peu pour la geler parce que le champ canard, il y a un gros cric qui longe le champ. C'est un jet dans le cric. Regarde, il en rentre encore des canards. Il en rentre tout le temps. Puis, c'est ça, avant que le cric gèle, là, on serait peut-être bien mieux de faire des canards avant. Là. Ah, on va dire comme ça, là. J'ai Michel, il n'y a pas d'âge. Alors, chez Michel, on a déjà la permission, fait qu'on verra les prochains jours. S'il se passe encore là, ça devrait. Il y a de la bouffe en masse dans le champ, ça allait marcher. De toute façon, ça fait longtemps qu'on n'a pas de canard. Ouais. C'est ça. Fait que, regarde, finis ta journée d'ouvrage, puis on va appeler les gars pour tout préparer ça. Puis, mon petit Steve, on va aller préparer le setup. Puis, demain, ça devrait être aux alentours de 4 h du matin. C'est good? Donc on se rappelle à soir. Salut. Salut.